Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez si vous n'êtes pas avec nous. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Juste pour nous. Et pour tous les autres. Tous ceux qui parlent cette langue de Molière et qui la comprennent. Franchement, vous devez venir nous retrouver. C'est essentiel. Chers amis, 13 juin 2019, un 13 juin qui n'en finit plus de nous amener son lot de nouvelles et d'événements catastrophiques. On se retrouve en Sardaigne maintenant, des liens qu'ils m'ont été envoyés, mais j'avais vu le lien ce matin sur un autre site qu'on va aller voir. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment apprécié. Des millions de sauterelles ont envahi l'île italienne de Sardaigne, affectant gravement l'élevage et la production agricole des agriculteurs lors de la pire invasion d'insectes depuis plus de 60 ans. Les changements climatiques, la pluie intense qu'il y a eu partout, les déluges qui se continuent, naturellement, sont propices à la prolifération de toutes sortes d'insectes. On assiste à des événements bibliques, n'est-ce pas, presque, qui ont été décrits comme la pire de son genre depuis 6 décennies. On en a vu cette année des énormes invasions, que ce soit à Calais avec les mouches, en Iran, en Arabie Saoudite, les sauterelles, pardon, ont envahi presque la totalité du Moyen-Orient. Et maintenant, on est rendu en Sardaigne, la végétation a été gravement touchée et l'industrie craint qu'il ne soit trop tard pour sauver la récolte de cette année. La peste biblique de criquets pèlerins détruit des cultures en Sardaigne, en Italie. La pire invasion de sauterelles depuis 60 ans sur l'île italienne. Jusqu'à présent, les sauterelles de l'Apocalypse ont détruit 2500 hectares de terres agricoles dans la province de Nuoro, entre les villes d'Otana et d'Orani. L'organisation agricole italienne Coldiretti a demandé au gouvernement de l'aider à lutter contre la peste. Nous marchons sur des tapis de sauterelles. Il y a un lien ici, je vous laisserai la vidéo dans le lien de... C'est-à-dire, je laisserai la vidéo dans... Le lien de la vidéo, pardon, dans la boîte de description, pardon. L'invasion des criquets pèlerins a été liée à la hausse récente des températures après des mois de temps froid sur l'île. Il y a des millions et des millions de criquets dans la campagne, a averti lundi l'Association des agriculteurs italiens. Dans un communiqué, les sauterelles émergent sur des terres non cultivées, mais elles vont aussi ensuite sur des terres cultivées pour manger, a déclaré le groupe, ajoutant que peu de choses pouvaient être faites pour remédier à la situation. Au moins 12 fermes ont été touchées avec des pâturages pour animaux en ruine et peu de choses à récolter, a rapporté le journal italien La Stampa. Coldiretti craint qu'il ne soit trop tard pour la récolte de cette année, mais des mesures préventives devraient être mises en place pour l'année prochaine. Wow! Nous avons eu des sécheresses en 2017 et beaucoup de pluie en 2018. Le climat idéal pour que les criquets émergent des terres en jachère, puis passent dans des champs cultivés pour se nourrir. Vraiment hallucinant. Sur le continent, le nord de l'Italie est également en prise avec une épidémie de pucerons bruns marmorés qui détruisent des bandes d'arbres fruitiers, a ajouté Coldiretti. Les criquets apparaissent généralement sur l'île méditerranéenne de Sardaigne pendant les mois d'été entre juin et août. Les experts ont décrit l'invasion des sauterelles tropicales comme la pire de la région depuis 60 ans. Wow, vraiment, c'est sans cesse, hein, je vous l'ai dit, le printemps et l'été vont nous réserver toutes sortes de surprises, d'épreuves. Et c'est pas fini!